Et salut à tous, Alex Benito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Stade Rennais. On est un huitième de finale de Ligue des Champions pour cette belle affiche. On va débuter par la réception de Manchester City. Ça va être chaud, ça va vraiment être chaud de ouf. Alors que Toulouse reçoit United, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, on sait que ça peut être notre coup d'arrêt, mais voilà, on n'a rien à perdre face à Pep Guardiola. On va jouer notre jeu, on va tout donner. Voilà, on commence à la maison. On va essayer de faire euh, une très très belle performance. On sait qu'on est capable de le faire. Après, le déplacement là-bas va être aussi compliqué. Voilà, il n'y a, de... a pas de questions à se poser. Vous avez vu le petit nouveau Manu Morlanès qui vient d'arriver au club euh, puisque nous avons passé le mercato hivernal et qu'il y a eu un événement déclencheur c'est l'offre exceptionnelle du Bayern Munich pour euh, Mathias Zaracho malheureusement voilà je l'avais acheté 6 millions et une saison et demi plus tard 41 millions euh, voilà ça fait un petit pincement au cœur de se de se séparer de Zaracho mais le rendement et la rentabilité économique euh, étaient primordiales sur ce joueur-là en seulement une, une saison et demie, euh, le prix a été euh, explosé. Pareil pour Kevin Rodriguez qui a signé à Bilbao. Ça faisait déjà deux saisons la saison dernière euh, au, Mercato hiver, au Mercato Estival. Ils avaient vraiment fait le gros forcing, acheté 2,3 millions, revendu 5, euh, alors qu'il n'a pas beaucoup joué chez nous. J'ai trouvé aussi une solution. Euh, deux remplacements avec l'achat de Melvin Bard à l'Olympique lyonnais, considéré comme un petit espoir sur ce poste là ce poste d'arrière gauche l'espoir français de Lyon entre 7 et 12 millions avec les clauses j'ai obtenu le prêt de Giovanni Reina petite dédicace aussi il a d'ailleurs déjà marqué en Ligue 1 un but marqué pour son premier match moi je le fais plutôt jouer en ailier intérieur gauche où ça s'est plutôt bien passé et donc Manu Morlanès qui vient pour euh, remplacer et essayer de faire oublier Mathias zaracho Après, voilà, on sait que le potentiel de Morlanès est quand même très, très haut. À seulement 23 ans, le joueur formé par Villarreal débarque à Rennes. Euh, donc, on se retrouve avec une compo comme ça, puisque Morlanès est plutôt box-to-box. -box. Kamavinga va prendre, euh, prendre l'axe. Tuzar va être aussi box-to-box -box en soutien. Et donc, euh, et donc, voilà, pour la saison prochaine, je sais que je perds aussi Kamavinga. Donc, il va falloir renforcer là. Mais en, en termes de box-to-box, box, on n'est pas trop trop mal. Puisque j'ai aussi Bourigeau qui est box-to-box. J'ai Poa que je fais jouer box-to-box. Box. Et j'ai aussi au milieu de terrain Maxime Lopez. Qui peut jouer le rôle à la place de Kamavinga. Cherki, il connaît puisqu'on a Baréal qui est à moitié blessé. Il est vraiment en forme, il connaît. Puis la charnière, on la connaît. Euh, derrière. Qu'est-ce qui s'est passé après euh, cet épisode sans faute J'ai eu le Mercato, j'ai battu Beauvais en Coupe de France, quadruplé d'Iconé. J'ai battu Nantes 2-0 grâce à Touzard et Zaracho. J'ai battu Lille grâce à Urzi. J'ai rebattu Lille grâce à Kamavinga en Coupe de France. On s'est incliné face au Paris Saint-Germain, doublé de Kylian Mbappé. J'ai battu Dijon en Coupe de France, Bourigeau et Touzard. Face à Bordeaux, c'est 3-1, il connaît Urzi. Euh, face à Amiens, c'est 3-0, Zagadou, Bourigeau et Morlanès. Je me suis fait éliminer de la Coupe de France par Toulouse. Toulouse, c'est vraiment l'équipe en forme du moment. J'ai eu de grosses difficultés euh, face à eux. Et j'ai battu au CERF grâce à Giovanni Reina, Iconé et Alario. On va affronter City. Puis Angers. Et derrière, je vous montrerai aussi le retour passe à City, de manière à ce que dans cette vidéo, on sache, même si je pense que, voilà, on va pas s'avouer vaincu tout de suite, Agüero, Sané, Kaya Verz, De Bruyne, Kovacic, euh, Luis Angelino, Laporte, euh, Stones, Walker, Ederson, hein. qu'est-ce que tu veux faire, sur le banc, as Bellotti, t'as Lautaro Martinez euh, sans déconner, Lautaro Martinez, Bellotti, Rougani, Phil Foden, Rodri, Holy shit. Holy shit. Après, nous, voilà, on a un bloc assez haut. Ça peut le faire, ça peut le faire. Hein. On est des gamins, hein, on n'a rien à perdre. Hein. On n'a rien à perdre. On est là, on joue au football. On n'est pas pourri par le fric. Nous, ce qu'on aime, c'est le ballon rond. Et le stade est plein à craquer. Il y a des chances qu'on se fasse éclater, mais voilà. Hein, euh, on n'a pas de pression sur les épaules. Si on sort, on sort, on aura fait un beau parcours. Mais on va essayer de donner du fil à retordre à cette équipe. Il connaît. Il connaît à la couche. À la couche. Oh, C'était bien centré ça. Si on pouvait directement ouvrir le score pour vraiment mettre un gros coup de jus à cette équipe de City. Mais c'est récupéré par Aguero. Ah, but d'Agüero. But d'Agüero en solitaire. Personne. Personne n'a été capable. D'arrêter le coup d'Aguero qui vient ici chipper la balle à Oumar Solé. Et hop, il se joue aussi de Zagadou. Les deux défenseurs dans le vent. Face à l'attaquant argentin. Cherki. Aaron Martin, Cherki. Oh là 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 là. Ben ouais, mais si on joue comme ça aussi. Si on joue comme ça, ça ne va pas le faire. La parade de Miguel. On n'est quand même pas ridicule. On n'est pas ridicule. Allez, il faut se venger les gars. Il faut essayer au moins d'égaliser pour l'honneur. Zagadou. Zard. Morlanès. Ouais, on essaie d'insister sur ce côté. Aaron Martin, Cherki. Aaron Martin. Ouh. Qu'est-ce qui fait mal aux adversaires Aaron Martin Et c'est lui-même qui est au corner. Ça va être récupéré par Morlanès. Morlanes peut-être en position de faire insister à l'Espagnol. Et on fait notre jeu, hein. City qui aura marqué que sur la seule occasion un peu dangereuse. Sur un ballon volé. Agüero qui joue très bas et c'est récupéré par Molanes. Morlanes, Morlanes Touzard, le décalage d'Icone, Icone qui accélère et qui s'amuse. Oh là 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 On se fait plaisir. Franchement, même si on se fait éliminer en jouant comme ça, je serai très satisfait de mon équipe. a peut-être Calario a un peu plus d'expérience. On va remonter un peu le bloc. On les domine bien dans le pressing, donc on va remonter un petit peu le bloc. On confirme. Même si j'avoue, vous allez dire ouais, c'est pas logique. Tu veux jouer en contre, mais tu remontes le bloc. C'est qu'on va contrer, mais à partir de très très haut en fait. On va pas attendre qu'ils arrivent jusqu'à nous, parce qu'en fait, ils arrivent même pas jusqu'à nous. On va les contrer à partir du milieu de terrain. Kamavinga, il sera dans le club adverse. L'année prochaine, Sané. Ouais, mais là, ça va trop vite, par contre. Bah, ouais. Doublé pour Agüero. Sur une percée de le roi Sané. C'est peut-être moi qui ai fait de la merde avec la tactique. Le fait, voilà, de jouer un petit peu plus haut. Eh bien, on s'expose. On s'expose à la vitesse des joueurs de City. Et à cette finition imparable. Et je pensais vraiment avoir les qualités. pour aller chercher au moins une égalisation l'entrée de Baréal. Et Je vais faire rentrer Giovanni Reina. Il n'y a que 2-0 et on s'en est bien sorti, je trouve. On a quand même fait 12 tirs, 5 cadrés. On a proposé quelque chose à nos supporters. On n'est pas resté passif à subir un match. Et à prendre 5-0. On savait qu'il allait se passer ça de toute façon. C'est pas très surprenant. Et c'est terminé. Victoire de City 2-0. Moi, j'en suis pas. J'en suis pas choqué hein, par... Par, ce... par ce match. United qui gagne 3-0, le Milan qui s'impose, Liverpool aussi, Lyon, c'est bien Lyon. Et Dortmund, euh, c'est la grosse surprise, là. Neymar et Sadio, ouais, mais après voilà. Après il y a quand même Sadio Mané côté PSG. Ce qui manquait peut-être un peu, IRL. Ah, Touzard suspendu. Et la même pour Morlanès. Ça va manquer, au match retour, ouais, on va se faire ça va être ça va être très très chaud. Là. On va se retrouver avec Poa. Avec Maxime Lopez face à City. Ok, bon. Ah je voulais pas faire ça sans commentaire. Benito peut avoir, tu parles. Ok, 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 on est pas mal. On va jouer Angers. Ah, Lario blessé, juste trois jours, ça va. Ça va, c'est pas si grave. Aaron Martin, euh, voilà. Il, avait, il voulait rejoindre le Borussia, mais finalement, il va se résigner à rester, parce qu'il s'est un petit peu trop emballé aussi, Aaron Martin. T'as fait une grosse saison, il rêvait déjà de la Ligue des Champions. On va jouer Bourrigeot. Ça tente pas très bien là. On va faire jouer Bard. On va faire jouer Melvin Bard. Gros gros match. La dernière fois que j'ai eu à, à l'appeler. Il m'a sorti deux passes d'ess et on va mettre Solé aussi sur la touche. Bon, la Nesque est bien 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 fatiguée. J'ai hésité, j'étais en train de regarder pour sortir le gamin. Je ne sais pas si je peux. Je ne peux pas mettre Georges Servet. Très très bon. Que j'ai formé en box to box. Il n'a que 17 ans. Énorme potentiel pour Georges Servet. Il m'a déjà marqué un but et fait une passe-des. Et là, il n'est pas sélectionnable. Ils ont déjà joué leur match, les jeunes. Non, moi je comme ça, c'est bien. là. Ferme Maxime Lopez. Allez les mecs, passer de City à Angers, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il hein. n'y a pas du coup d'un en face. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, la compo, elle est très défensive, cette compo d'Angers. On veut pas prendre de but dans ce match. Bon, ben voilà. Il se passe rien à part peut-être ici la récupération de Gélin. On va lancer Valentin Rosier. Rosier en position de centre, il est à clé, il va récupérer. Il je vais vers bientôt, qui s'écroule dans la surface. Là, à mon avis, Monsieur Le Texier, c'est l'avare. Et on valide. On va valider le penalty là. Moi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et eh oui, pénalty. Pénalty, et peut-être carton en prime. C'est Bourigeau qui va s'en charger. On attend que M. Larvit se, se place. Et c'est le but De Bourigeau, juste avant la mi-temps. Il, il va quand même nous faire du bien, celui-là. ça ça fait du bien allez les gars c'est bien ça c'est bien c'est bien on continue et Lyon hein, qui va définitivement perdre sa deuxième place quoique c'est pas terminé face à Toulouse allez l'entrée de Ryan Cherki. et après les autres ils sont un petit peu fatigués donc pour l'instant on va rester comme ça Cherki qui rentre Franc bien placé justement pour Ryan Cherki qui va chercher ce second poteau. Ça va être récupéré par Gélin, le but de Zagadou. Le but de Zagadou, ça fait 2-0 sur le, le petit euh, double tête. C'est Gélin qui la met. C'est pas assez long et Zagadou qui ressort à nouveau. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais Bard, blessure au pied. On espère que ce ne sera pas trop grave. Je fais rentrer Aaron Martin et j'en profite aussi pour faire rentrer Reina à droite. Ça va être un peu la, la doublure polyvalente. Giovanni Reina. J'ai une option d'achat à 10 millions dessus, mais je pense pas les claquer. J'hésite en vrai. Oh là là, le but est de Gravillon. On lui qui a commis le penalty. Attention. Il va falloir se battre jusqu'à la dernière seconde. Face à le Kazidan. Allez, Lyon. Lyon qui va s'imposer. Oh, attention, il y a quand même 6 minutes de temps additionnel. faut pas lâcher maintenant. Et la fatigue est là. La fatigue est bien présente. Oh, le but de Kamavinga. Quoi Le but est refusé. Mais c'est la victoire de 1. C'est la victoire de 1. Elle fait bien plaisir, celle-là. Et on reste deuxième à égalité. Avec Lyon, Paris n'a que 5 points d'avance. C'est pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf ouf. 4 à 5 semaines. Bobarde. Ouais, ça fait mal la cheville tordue. C'est dommage. Ok, on va repasser ben, au retour face à City. C'est parti, on reprend déplacement à City. Entre-temps, ça s'est bien passé, puisqu'on avait, euh, après cette, cette victoire-là, battu Toulouse 3-0 à Lario, Icone, Kamavinga. Et victoire 1-0 face à Lorient, grâce à Morlanès. ce c'est pas du tout sa saison. C'est encore blessé 2 à 4 semaines. Si on regarde un petit peu son historique de blessures cette saison, c'est très compliqué pour lui. Voilà. Il s'était blessé en décembre, Même là, on a repris. Euh, depuis décembre, c'est compliqué. Depuis décembre, il a pris 5 semaines. Euh, là, il a pris une petite contusion. Et là, il s'est reblessé environ 5 semaines. Ça fait 2 mois euh, manqués sur... Euh, ben, même pas les, euh, les six premiers mois de saison. Donc, euh, c'est vraiment compliqué pour lui. Et Iconé, qui est en pleine forme aussi, euh, est en train de prendre cette place. Et voilà, il les fera pas. Hein. Il les fera pas, ces 30 matchs euh, barréals. C'est vrai qu'il connaît, heureusement que je l'ai pris parce qu'à la base, je ne savais pas trop si j'avais besoin d'une doublure. Et j'ai bien bien fait d'avoir cette doublure-là. Euh, donc voilà, match retour. Match retour, je vais adopter une approche un petit peu différente. Euh, avec Kamavinga qui va reculer d'un cran. Voilà, j'ai pas envie de me faire exploser non plus. D'un côté, on va quand même garder un bon trio technique. Ça bientôt cher qui y connaît. Euh, après, voilà, j'ai quand même pas mal d'absences, J'ai euh, Touzard qui est suspendu, Bard qui est blessé, Morlanes qui est suspendu, Unou, euh, voilà, Unou qui a pris très très cher, 4 mois de, de fracture de tibia. Donc il nous manque quand même un petit peu de monde. Mais euh, euh, voilà, on fait ce match-là pour le prestige, pour la gloire, pour le fait que voilà, on affronte une grande équipe. Mais euh, de toute façon, on sait très bien que c'est quasiment mission impossible. Il faut rester réaliste. Après, on n'est pas à l'abri là de faire, euh, de faire un grand match et de revenir et de gagner 4-0. Mais ça reste peu probable. Mais on y croit, on y croit. Il faut toujours y croire. Quand on aura pris 2 ou 3 buts, on n'y croira plus. Mais pour l'instant, on n'a que 2 buts de retard à rattraper. Mais là, ils sont chauds. Hein, Quant à De Bruyne, Kaya -Wertz. C'est juste cheat. Hein. Voilà, hein, Kyle Walker, ça joue avec Sterling, Aguero euh, qui est sur une autre planète. Même un petit peu déçu, je pensais vraiment qu'au match allé, on aurait peut-être pu en marquer un hein, avec vu les occasions qu'on a eu Maxime Lopez qui va chercher ça bientôt. Ça va être récupéré par Cherki Taclé, par Sterling. La montée d'Aaron Martin. Aaron Martin, il plus qu'un but, un seul but de retard. Et là, on peut y croire maintenant. Jonathan, il sur une passe d'ess, d'Aaron Martin. Ah, elle est belle, Senna, elle est belle. Le premier tir cadré est au fond. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir ça! Allez, faut pas lâcher maintenant, faut pas lâcher. Le but de la porte. Ça change rien, il nous en faut toujours deux. Bon, il nous en fallait qu'un pour égaliser, mais là il nous en faut deux. Et si on en marque deux, c'est bon. Je me tâte à passer avec deux attaquants en deuxième mi-temps, voire même plus. Ah, oh, mais là par contre. Là par contre, ça déroule. Je ferais mes à la mi-temps, mais, ouais, ouais, mais le roi Sané qui met des coups francs directement, mais là c'est, là c'est, ils sont sur un 100% de réussite côté City, il y a tout qui passe, bon là c'est mort, hein. Cherky on l'aura pas beaucoup vu, Et Sterling, ça va trop vite. Le roi Sané, ouais, ça joue avec Angelino. Angelino encore. Oh là là, on s'en sort bien. Et but d'Angelino. Florian Miguel. Florian Miguel, alors là, pas du tout. <laughs> Miguel Silva. Qui, euh, bah, qui joue à la passoire aujourd'hui. Parce que là, il aurait pu l'arrêter cette frappe d'Angelino. Bon, on tentera le, le tout pour le tout. Euh, en deuxième mi-temps, hein, mais là, c'est que c'est cuit. Ah, hein. c'est perdu. Chaque occasion de City est au fond. On va essayer de, de limiter quand même l'humiliation. Concentrez-vous un peu les mecs quand même. Enfin. Je vais jouer comme ça. Vous allez vous dire, c'est vraiment n'importe quoi cette compo. Limite un petit peu asymétrique en 4-2-3-1. 4-2-1-3, pardon. De toute façon, on se fait déjà éclater un petit peu plus, un petit peu moins. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, hein, mais... Allez les gars, un petit... Un autre but là. On aura au moins marqué un. Mais ouais, c'est clair que là, on est vraiment tombé sur un adversaire beaucoup trop fort. Trop fort pour nous. Et c'est la même sentence pour Toulouse. Et Lyon, attention à ne pas sauter. Attention à ne pas se faire sortir les Lyonnais. 3-0 Bon, ben voilà. Hein. Lyon est dehors, 4-0. Lyon dehors, Toulouse dehors, Rennes dehors, et Paris qui se qualifie quand même. Après, voilà, c'est ça qui est super important. 9 millions pour avoir participé. Quasiment 10 millions comme ça pour, euh, pour être sorti des groupes grâce à cette victoire face à la Juventus. Euh, 4 à 1. Donc, même si on s'est fait éliminer par, euh, par City, on s'y attendait un petit peu, mais c'est tout bénéf. Euh, alors là, on va. a ah, quand même pas mal d'absents. Hein. On va faire un rush pour finir cette saison. Qui se passe, euh, ben mine de rien, qui aura été très intéressante après euh, cette élimination face à City et par Toulouse ici. Euh, voilà. On va, jouer, euh, on va continuer de jouer cette deuxième place face à Lyon. Il n'y a que deux points d'écart. Donc attention non plus à ne pas faire de faux pas. Rien ce qui reste à la course. Et Bordeaux, attention. Qui pourrait, euh, qui pourrait être relégué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser... Des commentaires comme d'habitude, je remercie aussi ceux qui étaient présents sur le live de du Partisan et du Red Star. Donc ça fait très très plaisir, j'espère que vous continuerez à être aussi nombreux sur nos lives Twitch. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.